Ses moglie a un comune di grosse, a nascontra Umer, Mathias Costanzo, qui c'ha da parlare di patrimonio, un patrimonio importante, soprattutto au Medio, posto che era il paese di Giovanni della Grossa, e a nascontra di nuovo a moglie di Mathias Costanzo, Loriane, che ha parte il solo commercio di un paese. Ce qui est suffisamment rare pour être souligné, c'est que le clocher est détaché de l'église. Voilà, un peu dans le style de Carbine, d'où sont élus les Juvanal. Donc moi, de ce que j'ai entendu de dire par des gens un peu plus férus d'histoire, c'était que c'était une hypothèse vraiment probable que des descendants de Juvanal qui avaient fui le massacre de Altaroc s'étaient réfugiés sur la piève de Bisoudier, de Grosse, et on fait le clocher détaché, peut-être pour rendre hommage à leurs ancêtres. Justement, cette piève de Bisoudier, où se trouve Grosse et Bilia notamment, le VR Campomour, qu'est-ce qu'on peut en dire? Il reste vraiment des traces de cette histoire médiévale, mais aussi préhistorique ici. Bien sûr. Alors justement, les traces, on a des dolmens, des menhirs sur la commune. On a un castel toréen qui est aussi d'Alo-Bisoudier, qui est juste sur la commune de Billy, mais qui est en face, qui fait partie de la piève. Et nous, sur la commune de Grosse, sur la partie, je dirais, médiévale, on a les ruines du château des Biancolaches, des seigneurs chinarqués qui ont dominé la région au Moyen-Âge. Comment est-ce qu'on parvient à maintenir ce patrimoine existant? Comment est-ce qu'on parvient à le mettre en valeur en 2024? Nous, en 2024, je dirais, avec l'équipe municipale et des associations du village, on essaie de le valoriser à travers des sentiers patrimoniaux, la réouverture des sentiers patrimoniaux, leur inscription au PTIPR, hein, au itinéraire régional des randonnées, tout en avec ce lien avec le patrimoine, en essayant de valoriser. On a un gros travail, je dirais, de signalétique et on va essayer de se réapproprier un petit peu cette histoire, voilà, et la faire partager aux générations nouvelles. Forcément, ma déformation professionnelle est axée vraiment sur l'environnement, la restauration des milieux, la préservation du patrimoine, qu'il soit écologique ou architectural. Bien sûr que ça aide, on a forcément cette fibre. On va dire au début du XXe siècle, Grosse comptait entre 900 habitants et on va dire après la Première Guerre mondiale, il y a eu un déclin, on est rendu à 700 et ainsi de suite, jusqu'à tomber dans les années 90 à peu près à une trentaine d'habitants. Aujourd'hui on est 70, il y a déjà une dynamique qui s'amorce, je dirais post-Covid, un peu comme dans tout le rural. L'objectif, bien sûr, c'est, comme je dirais tous mes collègues maires du rural, attirer les actifs pour que le village vive. Avant, on était dans le Cortenay. Mon mari a eu une opportunité d'avoir un poste au niveau du village, enfin dans la micro-région. Donc moi, je suis apicultrice, entre autres, et du coup, j'ai voulu pouvoir élever mes enfants au village, avoir une activité qui puisse me faire rester sur le territoire. Et de fait, c'était au tout départ la volonté d'avoir un point de vente pour pouvoir permettre aux gens de venir récupérer les produits, échanger sur le travail, échanger sur le terroir. Et après, ça s'est transformé en fait en besoin. Et de fait, j'ai créé l'épicerie avec chaque année des produits différents, d'autres services, d'autres possibilités. Voilà, donc je fais vivre un peu le village à ce niveau-là. Je suis très sollicitée pour rester ouvert toute l'année. C'est assez compliqué parce qu'en fait, en termes d'activité agricole, j'arrive à coupler les deux activités. Maintenant, c'est ouvert là, de juin jusqu'à octobre. Au niveau de l'épicerie, je vais rester ouverte exceptionnellement cette année. On a transformé un peu l'épicerie en salon de thé, donc il y aura des gaufres, des crêpes, chocolat chaud, etc. avec le feu de cheminée, jusqu'à la fin des vacances de la Toussaint. Mais je sens que les gens demandent à ce que ce soit ouvert toute l'année. Peut-être un futur projet, les enfants grandissent, l'activité agricole se met en place tranquillement, donc c'est pas inenvisageable.